Bonsoir, bienvenue au Ciné Club du mois de juin, dernier Ciné Club de l'année avant les grandes vacances. L'équipe, Eric, Pedro, Andrés et moi-même. Ce soir donc, comme je dis, pour le dernier Ciné Club de cette deuxième saison, comme on l'appelle sur YouTube. Donc pour l'occasion, comme on a l'habitude de le faire, que ce soit en décembre ou en juin, les petits plats dans les grands, on a fait appel à notre traiteur habituel. Donc aujourd'hui, je voulais lancer une anecdote là-dessus. Elles sont là-bas. Je pense que c'est ça là-bas. Donc voilà, crevettes farcies, brochettes de poulet. Mais là-bas, vous avez des petits pains saucisses, et c'est le côté cinéphile culinaire. C'est des petits pains saucisses qui viennent d'une recette de chez Disney, Ratatouille. En fait, quand tu achètes l'édition collector du dessin animé Disney, hein, c'est Pixar en plus, je pense. Oui, c'est ça. Pixar, ouais, quand tu achètes, dans l'édition collector, il y a un petit livre recette de cuisine fait par un chef inspiré du film. Donc voilà, c'était notre... Cousteau, ouais. Notre petit côté clin d'œil cinéphile culinaire. Donc une belle table comme d'habitude et un beau film aussi ce soir, un film dramatique, un film de guerre, il y a un peu les deux je pense. Ouais. Dedans, période de guerre. Ouais, période de guerre, donc Les Heures Sombres. Donc fiche technique des Heures Sombres, un film de John Wright. C'est un réalisateur britannique, un réalisateur anglais, un jeune réalisateur de 45 ans. Il n'a pas grand chose encore forcément dans son catalogue, enfin on retiendra quand même Orgueil et Préjugé. Et je lis ici, il aurait fait aussi un film, réalisateur du film Reviens-moi. Moi personnellement je ne l'ai pas vu, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, malheureusement non. Donc voilà, en tête d'affiche, il prend quasiment toute l'affiche, carrément toute l'affiche, Gary Oldman. Donc jouant ni plus ni moins que le rôle de Winston Churchill. Donc franchement, prouesse technique, prouesse professionnelle, les maquilleurs en tout cas, on en parlera plus longuement tout à l'heure après le film. Mais bon, c'est vrai que ça a l'air assez époustouflant et assez bluffant. Niveau récompense, 2 Oscars, 1 Golden Globe pour comme meilleur acteur et maquillage. Moi, sans voir le film, et aucun d'entre nous l'a vu, mais déjà rien qu'en regardant la pochette, ça ne m'étonne pas. La métamorphose, c'est franchement impressionnant. Et donc, voilà, un film qui a une petite histoire avec nous quatre aussi, parce que ici au Ciné Club, on en parle déjà, bien avant que ce film soit sorti au cinéma. Hein, tu te souviens, on en parlait déjà pendant sa réalisation. À l'époque, on avait vu le film de guerre... Dunkerque. Donc on parlait, on attend vraiment ce film-là. Et donc on envisageait très sérieusement d'aller le voir tous les quatre, même avec ton frère à l'époque au cinéma. Et puis bon, comme d'habitude, les horaires, le boulot, la vie. Ce film est passé au cinéma, ce film est parti du cinéma, on ne l'a pas vu. On s'était quand même fait une promesse, on le regardera tous ensemble. On s'était promis de ne pas le regarder chacun de notre côté. Donc j'ai tenu ma promesse. Ça a été dur parce que ça fait quasiment un petit mois que je l'ai déjà. Un petit mois au moins. Ouais. Comme vous pouvez le constater, toujours cellophané. D'ailleurs, je vais l'ouvrir. On est, je ne le vous cache pas, assez impatient de le découvrir. Moi, ça fait quand même... nous tous, hein, on est vraiment impatient de le découvrir. Tellement impatient que je propose de vous envoyer déjà la bande-annonce, question de vous imprégner déjà du film et de nous rejoindre juste derrière, parce que comme je vous dis, on ne sait pas dire beaucoup plus. On va le découvrir maintenant tous les quatre ensemble, donc on se retrouve juste après pour nos petits commentaires, notre avis sur le film, enfin les choses comme d'habitude. Voilà, il est cellophané, prêt à partir, santé, à tout de suite. Santé. Montre-leur tes vraies qualités. Mon manque de jugement. Ton sens de l'humour. Votre Majesté. Monsieur Churchill, je vous invite à prendre le poste de Premier ministre. C'est un acteur, amoureux du son de sa propre voix. Vous devez répondre au Lord du sceau privé. Je suis déjà sur un sceau privé. Je ne peux m'occuper que d'une seule merde à la fois.
Une bouteille de champagne au déjeuner, une autre au dîner. Tâchons de ne pas tout bousiller. Tâchons de ne pas tout bousiller. Nous allons assister dans les prochains jours à l'effondrement de l'Europe de l'Ouest. Vous vous demandez quel est notre objectif ? La victoire, quel qu'en soit le coût. Vous sous-entendez que nous avons pratiquement gagné. Ce n'est pas le cas. Est-il vrai que nous battons en retraite ? Toutes nos forces sont à présent à Dunkerque. Et on ne peut pas les atteindre. Ils nous poussent littéralement dans la mer. Il y a la question des pourparlers de paix entre nous et l'Allemagne. L'Europe est encore... L'Europe est condamnée. Ce tyran. Tu as tout le poids du monde sur les épaules. Combien d'hommes vont survivre ? Allez vers le peuple, dites-lui la vérité. Nous devons susciter une résistance héroïque. Il n'y a rien de patriotique à se battre jusqu'à la fin. L'heure est venue de négocier. Mais quand comprendrons-nous enfin la leçon ? On ne peut pas discuter avec un tigre quand on a la tête entre ses deux mâchoires ! J'en prends l'entière responsabilité. Ah oui ? Eh bien oui, oui, monsieur ! Et c'est la raison pour laquelle je viens m'asseoir sur cette chaise ! Sois toi-même. Moi-même ? Nous nous battrons sur les plages. Nous nous battrons sur les terrains d'aviation. Nous nous battrons dans les champs et dans les rues. Nous nous battrons dans les collines. Nous ne nous rendrons jamais! Parce que sans victoire, il ne saurait y avoir de survie! Bon, voilà, on vient de voir le film. Donc je suis un peu... mitigé sur mon avis, parce que je ne peux pas dire que je n'ai pas aimé, mais simplement que je m'attendais à autre chose. Le film, en gros, se joue sur 28 jours, c'est ça ? 18 jours. 18 jours, du 10 mai au 28 mai. Donc, si vous vous attendiez à une histoire sur la vie de Winston Churchill, pas du tout. Tout se joue en gros sur le début et même pas la fin de la bataille d'Angleterre. Absolument pas. Même pas le début. Même pas le début, c'est vraiment... À ce niveau-là, j'ai été... Ces 10 premiers jours de 10... Premier ministre. Exactement, ouais. Donc, à ce niveau-là, j'ai été un peu surpris. Le film est à mon avis, un peu traîne en longueur. C'est très... très... Très mis vraiment sur ses discours. En réalité, il reflète simplement. Il reflète vraiment le... Voilà, c'est ces jours qui étaient vraiment importants parce qu'il fallait prendre des décisions qui dépendaient tout simplement de. Comment il a pris sa décision de son premier discours à la nation et de cette. Et de déclarer. Voilà, exactement. Soit on négocie avec Hitler. Il lui était convaincu que ces négociations n'allaient mener à rien, ou bien on décidait tout simplement de se battre, de résister, et voilà, et il fallait prendre une décision, et il était pratiquement tout seul, sauf que, et c'est véridique, il est allé parmi la population, il a pris le métro, et il a demandé l'avis des gens. Ouais. Il leur a dit, bon, on négocie au risque de que ce gars vienne ici, qu'on soit envahi, et qu'on... Ouais. Ou alors, on résiste. Avec tous les risques que cela comprend. Exactement. Donc c'est rendre jamais. Ouais. Et c'était ça. C'est une page. C'est un épisode de sa vie. Ouais, c'est une page importante de l'histoire, mais je veux dire, on n'en apprend pas énormément sur le personnage dans le film. Je veux dire, c'est vraiment fixé, franchement, sur ces 18 jours-là. Je m'attendais franchement à autre chose. Maintenant, je ne peux pas dire que. Je suis déçu parce qu'on en reviendra par après. La prestation de Gary Oldman reste extraordinaire. Franchement, il fallait la chercher, la ressemblance. Je veux dire, en gros, le film en lui-même, moi personnellement, je ne peux pas dire que je n'ai pas aimé, mais je m'attendais à autre chose. Ouais. Eric, toi ? Oui, quand je vois, bon, moi, je ne vois jamais rien à l'avance.
Mais les bandes annonces à l'époque ne font absolument pas allusion que on va parler d'une si courte période. Mmh. Et moi, ce que je trouve un peu décevant, c'est qu'on le fait passer pour un crétin sénile par moment, qui ne sait pas ce qu'il pense, qui ne sait pas ce qu'il dit. Mais même quand il se met à baragouiner juste avant d'aller dans le métro, tu te dis le mec, il n'a pas toutes ses cases, quoi. Surtout qu'ils accentuent bien le problème d'alcoolisme qu'il a, enfin, d'alcool, enfin, qu'il buvait matin, midi et soir. Ouais. Enfin, il était alcoolique. Voilà, il était alcoolique. Ouais. Enfin, bon, alcoolique, bon. Il avait un penchant pour le. Voilà, c'est plutôt ça. Mais les gens qui travaillent, enfin, les autres ministres et les autres partisans, c'est pas enfin, non, moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'ils misent là-dessus. Ouais, à fond, le film commence donc le 10 mai 1940. Et on voit Winston Churchill dans un état occupé à déjeuner, au petit déjeuner, un verre de whisky avec des œufs. Des lardons, du bacon, des œufs. C'était le... Toussé, des quins de tout répétés. Je me dis, cet homme-là n'a pas traîné longtemps. Il a encore vécu 25 ans. Il a encore vécu 25 ans. Quoi. Donc, en gros. Tu t'attendais à autre chose aussi, sans être déçu, ou tu es carrément déçu? Non, pas déçu, parce que moi j'aime bien l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, mais... Tu t'attendais à autre chose, tu t'attendais à mieux. Un peu d'action, quoi. Mais moi, ce qui me surprend, c'est que, voilà, bon, je sais très bien que Chamberlain était usé et plus personne ne voulait voir sa tronche, et Chamberlain le propose, parce que Halifax refuse, et après, c'est les deux qui lui foutent des bâtons dans les roues, quelque chose de fantastique. La politique, quoi, dans toute sa splendeur. Mais ces deux-là ont fait fort, quoi, parce que c'est eux qui le présentent, et ils espèrent royalement qu'ils se ramassent, quoi. Ouais. Ils n'ont pas trop le choix, enfin. Par désespoir de cause. Oui, pour garder la chambre à leur dans leur parti à eux, quoi, hein, tout simplement. Hein. Et toi, Pedro ? Eh bien, moi, je vais vous dire, les gars, moi, je trouve que le film respecte pas mal la réalité donc, de ce qui s'est passé à ce moment-là. Hein. Ouais. On parle de quelques jours, hein, ce n'est pas la vie du gars, c'est simplement un épisode de sa vie. Mais je croyais que il a dû prendre des décisions. Plus long, le film. Une décision très importante. Non, je croyais que la période aurait été plus longue entre le fait qu'ils prennent Premier ministre et qu'ils disent, voilà, je déclare la guerre à la main. Ouais, et jusqu'à... Ouais. Je croyais que le film aurait été sur une période un peu plus longue que peut-être ça. Peut-être même jusqu'à la libération, quoi. Ça, peut-être pas. Ouais, pourquoi pas. Au moins, la bataille d'Angleterre et... Même, c'est comme tu dis, c'était le début, hein. C'est à partir de là que l'Angleterre a commencé à se défendre. Oui. Et que là, ils se sont dit, non, on ne se rend pas, jamais. On va se battre. Avec tout ce que cela suppose comme inconvénient, parce qu'attention, ils se sont fait bombarder, l'Angleterre en a ramassé tout plein, hein, et puis mais ils ont réagi. Si Hitler n'avait pas décidé à ce moment-là, pendant la bataille d'Angleterre, quand il s'est dit foutu anglais, ils ne se rendent pas du tout, du coup je me tourne vers la Russie, parce qu'à 15 jours près, l'Angleterre était par terre. Ah, mais s'il n'ouvre pas les deux fronts, je pense que là, il y aurait eu un problème. Donc, il s'est battu du côté de la Russie et du côté de l'Angleterre. C'est là qu'évidemment, il ne savait pas assumer le tout. Il continuait à bombarder l'Angleterre pendant 10 jours, et puis il mettait ses bateaux à la mer. Et deux mois après, il attaquait la Russie. Les Anglais n'étaient plus là. Oui. Il n'en avait plus. Mais remarque une chose ici, la décision qu'il a prise, la concernant Dunkerque, c'est important. Parce que le gars a décidé, bon, d'accord, je vais sacrifier 4000 hommes, pour en sauver 300 000. C'est comme la décision de Dunkerque. Moi, et ça, ce sont des jours noirs, parce qu'il faut décider cela. Hein. Mais je croyais réellement... Je vais sacrifier des gens pour en sauver d'autres, pour en sauver beaucoup d'autres. Mais moi, je croyais réellement que c'était un amiral qui avait pris la décision de réquisitionner tous les bateaux, et pas le Premier ministre. Donc j'ai appris quelque chose que... Mais en réalité, disons, le Premier ministre, lui, a donné les idées. C'est lui qui a eu l'idée, et les autres exécutent, hein. Mais bon, À ce niveau-là, le film montre bien aussi l'indifférence américaine par rapport au début du conflit. Ah, mais ça, c'était comme ça. Ils étaient neutres. Non, mais je veux dire que le film le montre bien pour s'il y avait des doutes et que... Non, ça, tout le monde l'a su. Non, mais parce que tout le monde, quand on parle de la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde voit le débarquement de Normandie avec les Américains en héros, mais ils s'en battaient parfaitement. Ah ben oui, les Américains ne sont pas rentrés en guerre avant le 6 décembre. Et les Russes, des collabos, donc... Voilà, on voit vraiment que cet homme-là et tout son peuple, toute son île étaient seuls contre l'envahisseur. Hein. Il l'a dit à la fin de la guerre. Hein. On a gagné la guerre avec le sang des Russes, l'argent des Américains et le courage des Anglais. Oui,
Et pas que, hein. Non, mais c'est ce qu'il a dit. Il y a des Australiens, il y a des Canadiens, il y a des Belges, non, il ne faut pas négliger les autres. Non, la résistance, sa phrase, c'est ça. Ouais. La phrase qu'il a dit, c'est celle-là. Mais ce qui est terrible, c'est qu'à peine il avait donc cette période difficile et déterminée, que le gars a été éjecté, on l'a rejeté. Hein. Ouais, c'est ce qu'ils expliquent à la fin. Moi, je croyais. On lui a dit non, fini. Mais je croyais qu'il avait encore tenu un ou deux ans. Mais non, à la fin de la guerre, ça lui a. À la fin de la guerre, c'est fini. Ouais. Hein. Oui, là, on lui a dit de dégager. Et ces derniers jours, on ne sait pas comment il les a passés ou comment. En dehors de la politique. Non, il a continué. Donc, si tu veux, il est resté un petit peu quand même dans la politique, mais bon, il n'avait plus le rôle important qu'il avait avant. Il est devenu Premier ministre à 64 ans. Quand tu me promènes à Londres, tu vois, quand j'avais été. Vraiment son monument, il est... Mais c'était un lion, le gars. C'est un héros, hein. Tout à fait. C'était un type qui avait des convictions, bon, il n'en démordait pas, hein. C'était vraiment cela. Et il a eu raison, dans le fond, là. Parce qu'attention, bon, si le type n'avait pas décidé vraiment de se négocier avec l'Allemagne, cela voulait dire, écoutez, venez les gars, vous allez gouverner l'Angleterre, hein. Non, non, pas question, hein, ici, mais sinon, on ne lâche rien. Niveau film, Pedro, tu t'attendais à mieux ou... Non, je vais te dire, pour moi, non, absolument pas. Moi, je m'attendais à un truc dans ce goût-là. Les Heures sombres, j'avais lu un peu, compagnie, c'était vraiment un épisode donc assez spécial de la vie de Winston Churchill. Et je trouve que ça a été bien interprété et assez fidèle à la réalité, quoi. Et puis bon, l'interprétation de notre ami Gary Oldman... extraordinaire, et de quelle manière on le fait, parce qu'attention, ce type, il n'est pas si âgé que ça, hein. On est arrivé à lui donner vraiment un look là, d'un homme beaucoup plus âgé, donc un gars qui avait 60 et quelques piches, extraordinaire, hein. Mais c'est un excellent acteur, hein. Gary Oldman, on l'a déjà mis à coup de sauce, c'est tout bon, hein. Vraiment bon. Et toi Andrés, comment t'as vu le film? Très psychologique, très la tension, tu vois, la tension dans le film, on le ressentait, enfin, en tout cas moi je le ressentais, la pression qu'il avait dans les épaules, les décisions qu'il devait prendre, les textes qu'il devait faire, on le ressentait au jeu d'acteur au jeu d'acteur que Gary Oldman il a réinscrit à l'écran. Donc c'est ça, j'ai trouvé très intéressant, enfin, j'ai vu des œuvres autobiographiques et j'ai beaucoup apprécié, mais comme je t'ai dit, c'est spécial, j'en ai pas vu beaucoup, tu vois. Et il y a comment Eric, on s'attend à autre chose, je m'attendais à beaucoup mieux. Moi je m'attendais, moi dans ma tête c'était... Un film plus complet. Plus complet, mais... Je veux dire que deux heures pour raconter 18 jours sur trois discours qu'on connaît quasiment tous par cœur. Parce que même nous qui sommes en anglais. Pour ceux qui s'intéressent à un tant soit peu à... aux épisodes de la Deuxième Guerre mondiale, moi je trouve que ça fait quand même un peu long, même si l'interprétation est exceptionnelle, les maquillages sont fabuleux, mais je ne cache pas que bon, ça m'a rappelé un film avec de Spielberg, donc Lincoln, je pense. Oui. Vous l'avez pas vu ce film? Si. Même chose, eh ben, j'ai eu la même impression, qu'est-ce que c'était long. Et pourtant, c'est sur une période un peu plus longue. Là, c'est assez long. Mais l'histoire de l'abolition de l'esclavage. Mais c'est ça, qui a été d'ailleurs tué après ça. Ça m'avait paru aussi assez lent et tout. C'est pas pour ça que c'était mauvais, un peu comme celui-ci. C'est un film que je ne vais sûrement pas vendre ou me séparer. Non, il fera partie de ma collection. J'ai apprécié le film, mais je m'attendais à beaucoup mieux, moi. Ils l'ont pas vendu comme ça, d'ailleurs. Quand tu vois le peu de bandes-annonces que j'ai vues qui étaient toujours les mêmes, t'avais vraiment l'impression qu'ils allaient parler de sa vie privée. Et ici, on parle vraiment, voilà, sa prise de pouvoir forcée, jusqu'à son premier discours à la Chambre, où il déclare la guerre. Ouais, à part ses discours et l'étude de ses discours, t'en apprends très très peu sur le personnage. J'apprends rien du tout. Qu'il aimait fumer le cigare, qu'il buvait, mais c'est pas comme ça. Mais il n'y a pas que ça. Et sa femme. Et sa femme, ouais. Intervenait régulièrement pour le remettre en selle. Tu sais, il avait des doutes, le gars. Il dit, est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que c'est vraiment... Mais il y a quelque chose... Il y a quelque chose sur ce plan-là que moi j'ai pas compris. Elle dit une phrase là juste avant la fin, pendant qu'il fait son discours et qu'elle est habillée, là, qu'elle prend des photos. Est-ce qu'elle n'a pas l'intention de le quitter à ce moment-là? Ou d'avoir un amant ou un truc dans le genre. Hein.
Elle a fait des photos habillées donc en militaire. Oui, mais elle dit une phrase avant les photos. Elle part au front là ou un truc dans le genre. C'est ça. En tant qu'infirmière, donc, donner un coup de main donc, à l'effort national. Quoi. Comme, mais moi, je n'ai pas interprété cela par le fait qu'elle voulait. Non, mais ça laisse entendre que le couple a quand même. Non, mais de toute façon, c'était un couple assez spécial. On est bien d'accord. Que lui avait sa vie, qui prenait donc sa vie politique, il était vraiment très engagé. Hitler l'appelait le vieillard alcoolique. Hein, le vieillard alcoolique, oui, tout à fait. Non, non, mais Hitler, évidemment, il pensait que ce gars-là allait se plier, qu'il allait lâcher, absolument pas. Hein. Ben, s'il aurait écouté presque le reste de la chambre britannique, c'est ce qui serait passé. Exactement. Quoi. Non, s'il entend, oui, c'est sûr, c'est sûr. Surtout s'il entend justement ces deux soi-disant partisans. Ouais. Parce que. Quand il commence son discours à la Chambre, l'opposition est directement derrière lui. Hein. Et puis, les trois premiers mots, ils sont derrière lui. Et c'est Chamberlain qui, à la fin, dit oui, ça va, c'est tout le monde le suit. Et puis, en parlant strictement cinéma, c'est quasiment un huis clos aussi, le film. C'est... Tout à fait. Ouais. Tout, c'est très spécial. Ça commençait bien avec les images d'époque et tout. J'étais vraiment bien. T'as vu dans les bunkers, sur une porte, il y a marqué Tim dans Wing Street. Sur une des portes, là, sa porte à lui. Dans les bunkers. Ouais, pas fait. Ouais, j'ai pas fait. Pas fait attention à ça. Ouais. Non, non, c'est. Franchement, c'est le genre de film que tu te dis. Quand bien même. Je peux pas dire que je suis déçu, mais non, tu te dis c'est bon, ben. Je m'attendais à autre chose, il n'y a rien à faire, je m'attendais à autre chose. Bien sûr, mais de toute façon, l'interprétation, disons, de chacun est différente. Hein, nous le voyons avec des yeux. Moi, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et j'avais entendu parler, bon, de ces moments difficiles, des décisions qu'il avait à prendre. Attention, il avait un surnom, le mec, c'était pas pour rien. C'était le lion, on l'appelait le lion de je ne sais pas quoi. Mais c'était un type qui avait des convictions vraiment établies. Et ce qui est très bien, c'est qu'il est allé prendre le pouls de son peuple, les gens qui étaient là. Et vraiment de tu avais entendu, toi, cet épisode qui sort de la voiture et qui se met tout à fait mauvais, qui prend le métro, là. D'ailleurs, il s'est perdu dans le métro. Hein. Il s'est perdu, certainement, il ne savait pas très bien où aller. Juste avant de dire qu'il était prêt à négocier, quoi. C'est parce qu'il parle à 5 anglais dans le métro. Exactement. Oui, c'est sûr. Peut-être qu'en réalité, il a parlé à plus de personnes, mais bon, là, ils se sont peut-être arrêtés à... Ils se sont arrêtés à 5, hein. D'ailleurs, il a donné le nom de 5. Hein. Ah, ok. Non, mais effectivement, là, il était dans le doute. Est-ce que je signe pour essayer d'épargner des vies humaines, mais nous soumettre au dictateur, et puis avec toutes les conséquences que cela aurait pu avoir. Et n'oublie pas, il pensait, on le montre moins dans le film, mais il pensait aussi à rester Premier ministre. Hein. Lui, il se disait, si maintenant je dis, avec toute ma gueule, sans aller voir les Anglais, non, j'ai décidé comme un grand, on ne négocie pas, on rentre en guerre. Ici, il a dit, j'ai été voir les Anglais, qui m'ont dit que, jusqu'à la mort, on se battrait même dans n'importe quel terrier. Parce que, il y a le politique qui rentre en ligne de compte. Hein. Lui, il se dit, bon, si maintenant j'ai dit, bon, ça va, je me plie, mais c'est moi qui prends la décision. Il ne peut pas dire, monsieur Halifax et monsieur Chamberlain là, m'ont dit, tiens, oui, on va commencer à négocier. Non, non, il devait dire, j'ai décidé de négocier. Et ici, il aurait dû dire, j'ai décidé de rentrer en guerre. Et puis, il a dit, non, non, j'ai été voir les Anglais, j'ai parlé à un tel, il dit même leur nom, ils m'ont tous dit, jusqu'à la mort. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Mais il y a le politique qui rentre en ligne de compte. Et la petite histoire racontera qu'il s'en sort pour des... Franchement, il y a une superbe série, là, je ne sais pas si vous l'avez vue, enfin, ce n'est pas une série, c'est une série documentaire, Apocalypse, ça s'appelait. Sur tous les épisodes de la Deuxième Guerre mondiale, du début jusqu'à la fin. Et alors, le bombardement de Londres, ça se joue à 24 heures, quoi. Ouais, j'allais dire une petite semaine. Que franchement... S'ils bombardaient encore deux jours, ouais, et qu'ils mettaient ses bateaux à l'eau, il n'y aurait plus d'Angleterre. Et puis le... Et il a décidé d'aller en Russie, et là... Il faut croire qu'il a... Il a laissé les Anglais respirer. Selon les convictions de chacun, Dieu ou quoi, mais... Franchement, tu regardes toute cette histoire-là et l'Allemagne perd la Deuxième Guerre mondiale sur des petits détails invraisemblables. Quoi. Même le Führer qui fait la sieste, ce n'était pas des histoires, ça a vraiment été le cas. Mais ce n'est pas des petits détails parce que ce mec avait un pays derrière lui, tout le bazar. Le gros détail, c'est que c'était un conflit. Et grâce à ses conneries, ce n'est pas lui qui a gagné la guerre à cause de ses propres conneries à lui.
Il mélangeait vitesse et précipitation, je vais tout faire en même temps, je vais par ci, je vais par là. Hier, il aurait bombardé Londres, il dit 24 heures. Oui, en plus, c'est fini. 24 heures, les bombarder et puis foutre ses bateaux à l'eau, quand il fallait arriver en Angleterre. Mais les Anglais ne savaient plus riposter. Je crois qu'il leur restait 10 amis. Mais de toute façon, bon, disons, ce qui a fait que. Aujourd'hui, on ne parle pas allemand, et quand... c'est que ce type-là, il était égocentrique. C'était ses décisions à lui. Il ne se fiait pas à ses généraux, même s'il avait des conseils. Tu lui disais, non, écoute, non, pas ouvrir des fronts n'importe où. Non, lui décidait une chose, et il fallait agir comme il le pensait. Hein, sinon, c'était... Il n'était pas militaire, mais il était comme ça aussi. Hein. Je dis quelque chose, tu... Exactement. Il était pas... Mais de toute façon, c'était un gars qui n'était pas tellement intelligent, absolument pas. Tout ce qu'il avait entrepris, mais par contre, ce qu'il était, c'était un meneur d'hommes. Mais c'est ça qu'on montre un peu, moi. C'est ça, il est arrivé là à un très moment bon, très bon où l'Allemagne, évidemment, avait eu le gros problème de la Première Guerre, de la Grande Guerre. Mmh. Et voilà, c'était le sauveur, il aura tout promis. Si vous faites ceci, ça et ça, et là, franchement, l'Allemagne avec lui... Et remonter, mais tu vois, dans le film, ça en montre un peu moins. Bon, on se rend compte que Churchill est le seul homme politique anglais à détester Hitler. Le problème, c'est, enfin, le problème qu'on montre pas dans le film, c'est que Churchill, il a dit ça en 33 quand Hitler a été élu. Hein, on parle pas de 40. En 33, Hitler, Churchill a déjà dit, c'est quoi ce dingue. Mais oui, c'est un givré. Bien sûr. Et ça, on le montre pas assez. C'est vraiment à ce moment-là, il se dit. Il va attaquer tout le monde, et effectivement, le 10 mai, il attaque tout le monde. Il s'est méfié déjà. Mais il s'en méfie en 33. Tout à fait, exactement. Mais par contre, les seuls en Europe, non. Hein. C'est parce que la France, en Europe, hein. Vous savez que la France a signé des accords avec lui. Le grand vainqueur de 18. Exactement, pour te dire, enfin bon, qu'on n'était pas tellement inquiet, ce type n'était pas... Oui, bon, il avait des idées d'expansion. En réalité, c'était un dictateur qui voulait envahir tout le monde. Et il avait le peuple allemand derrière lui. Parce qu'on les avait tellement serrés et pressés. Parce que bon, la Seconde Guerre mondiale vient quand même à cause du fait qu'on a les accords de paix de 18, on a bouffé les Allemands de A à Z, on les a pressés comme des citrons, en oubliant le caractère des Allemands. Si on les laissait un peu vivre, peut-être un connard comme Hitler ne serait jamais venu au pouvoir avec 90% derrière lui, pour un Autrichien qui n'est même pas allemand. Mais c'est parce qu'on les avait tellement. Serré, on les avait réduits pratiquement à néant. Ouais. Quoi. Et ils sont revenus à nouveau. En oubliant le c'est extraordinaire. Et ils sont de nouveau là aujourd'hui. Hein. Enfin, ils les avaient divisés là, carrément. C'est très têtu. Hein. Et non. Ça, c'est un peu mal expliqué sur le fait que voilà, c'est au moment même. Lui, il dit mais on ne s'est pas discuté avec un, on ne s'est pas discuté avec un qui, comment on a sa tête dans sa gueule. Mais il pense ça depuis 7 ans, lui. T'en avais quelques-uns, non, je crois. Non, c'est même pas vrai. Quand je dis quelques-uns, je crois que c'est le seul. C'était un des rares qui disait. Aucun Belge, aucun Français, aucun Polonais. Aucune possibilité de discussion. Voilà. Lui, quand Hitler a été élu en 33, c'est le seul qui a dit ouï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 ou
que les 18 jours qu'on connaît. Je crois qu'on est tous d'accord sur un truc quand même, c'est que le film il est sauvé par le... Enfin sauvé, on ne peut pas dire qu'ils sont mauvais, j'insiste, mais punaise, quelle prestation, quoi. Comment c'est possible, c'est... Et je pense pas que c'est du numérique, hein. c'est du maquillage. Hein. Oui, ouais, c'est simple le maquillage. C'est un travail. Comment on arrive et à... Il me l'a reçu un Golden Globe et deux Oscars. Et les deux Oscars, c'est meilleur acteur et meilleur maquillage. Donc c'est ce que je dis. Quoi. Bah, oui, qui aurait su le battre dans ce domaine-là, personne. Là, là, il a... Non, non, mais attention, Gary Oldman, c'est un type qu'on a mis à plusieurs sauces, mais il est bon partout. Il a fait Dracula. Il a fait des trucs invraisemblables. Il a souvent été transformé. Un rôle d'Hitler, je pense. Il a joué dans un rôle où il était Hitler. Il a souvent été très transformé. Oui, mais c'est incroyable. Et puis, mais ce film, voilà, la publicité de ce film est faite sur la... Il prend toute l'affiche. Oui, voilà. Sur lui, rien que sur lui. Rien que sur lui, il prend toute l'affiche. Et du coup, Oscar, pas Oscar, est-ce qu'on la nouveau un peu 3 millions nus? Possible. Moi, je m'avais déjà étonné avec Aïe Dracula de Francis Ford Coppola. Hein. Et tu voyais ce Dracula-là, moi je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce Dracula-là dans un premier temps? Comment je dis, mais enfin, un Dracula qui se promène dans la journée et tout, et tu le vois avec ses lunettes de soleil rondes et tout, qu'est-ce que c'est? Mais Mia, quand tu passes au-dessus de ça... Tu l'as aimé celui-là? Et non, et que tu passes au-dessus de ça et que tu commences à rentrer bien dans le film et que les minutes passent, tu dis, mais quel chef-d'œuvre! Pourtant, la barre, elle était haute, Christopher. Dans un des Superman, si je ne me trompe pas, dans un des Superman, il était là aussi. Oldman. C'était Superman ou c'était enfin, moi, un film aussi sur le. Mais il attends, était Superman, c'était Gene Hackman. Gene Hackman. Non, non, mais attends, il y a un film là aussi, donc sur un film sur le futuriste, donc de science-fiction, là. Oui, il était là aussi avec. On regarde vite sa filmographie, regarde. Non, non, mais il a fait des. Vraiment des trucs incroyables, non? Un excellent acteur. Mais très souvent Oldman, maquillé, non? Très souvent, souvent maquillé. Je vais vite te dire ça, Pedro. Ouais, tu vas voir, ce rôle-là, donc, on va entendre des titres de ce film futuriste. Non, mais comme tu dis, Dracula, ouais, ça j'en adorais. Ouh là là. D'ailleurs, on devrait faire un ciné-club un jour là-dessus, parce que c'est un film... mélange un peu l'histoire aussi. Moi je sais que j'en ai déjà vu, mais lesquels? Ah bon, ça vient? Oui. Ça rame un peu. Ouais. Un film... Le cinquième élément. Exactement, le cinquième élément. Voilà, Dracula, enfin Dracula. Tout à fait Dracula, le cinquième élément. Le cinquième élément. Batman, il a joué dans Batman The Dark Knight. Il fait quel rôle dans le cinquième élément? Léon, dans le cinquième élément, je vais te dire tout de suite. Léon, de nouveau avec Besson. Ah, de nouveau avec Besson. De nouveau Besson. Je sais pas quel rôle il a joué dans celui-là. T'as dit des titres comme ça, dis des titres. Ah, ok, je continue les titres. Non, les titres. Léon. Donc encore, Hannibal. Second rôle, Hannibal. Chaque fois, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Exactement, ah, il a joué dans Harry Potter. Harry Potter. On t'a nous, l'oncle. Je ne sais pas si vous avez vu Le Livre des Lits. Non, je ne l'ai pas vu celui-là. Ah si, avec... Avec celui qui joue dans... Delay d'ailleurs. Pas Ellie, Delay. C'est vrai. Delay, pardon. Avec... allez, celui qui joue avec Will Smith dans Les Envahisseurs. Denzel Washington. Non. C'est vrai, Harry Potter, franchement, honte à nous, comment peut-on... On n'est pas fan, hein, on l'a dit la dernière fois. Hein. On n'est pas des accros, quoi. Ouais. Des acharnés. Je ne sais pas le nom des acteurs. Ouais. Bah, en tout cas, il a joué dans les trois Batman. Dark Knight, dans Dark les Kings, ouais. Dark Knight Rise. Ben, c'est la planète des saints. C'est pas lui le flic? C'est pas lui le commissaire, maintenant? Commissaire Gordon. Ouais. Attends. Mais c'est comme tu dis, souvent maquillé. Hein, oui, maquillé, très souvent. Il est capable de C'est de... pas le commissaire. Tu le reconnais même pas. Hein. Parce que je le vois pas ailleurs. Et si on en parle dans les trois films, qui on voit dans les trois films à part le commissaire? Il n'est pas écossais, le gars. Ouais, tu veux savoir son... Ça, un peu Alfred. Ouais. Non, pas Alfred. Non, 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 non. Non, le commissaire.
Non, Alfred, c'est pas lui. Enfin, déjà, chercher ouais. Hein. Non, le commissaire. New Cross. Pardon ? New Cross. Londres. Ah, donc il est anglais. Il est anglais. Il est anglais. Ah, c'est un anglais. Je te signale que oui, là-bas, ils disent pas qu'il est londonien. Hein. C'est New Cross, c'est par quartier. Hein. Ouais. Attention, on est Huclo, les gars. Ouais. Il a aussi joué dans le nouveau Robocop, je sais pas si vous l'avez vu aussi. Non. Enfin, non. Et dans le drôle de Noël de Scrooge. Ça, là aussi, il était ça. Ça, c'est. Là, ça, c'est en motion capture. Ben oui, voilà. Ouais, comme, comme il dit Eric, hein, c'est souvent très maquillé. Très souvent maquillé. Ouais. Ouais, mais si, il a la gueule d'emploi. Et ça, je peux t'assurer que niveau boulot, ça doit pas être facile. Hein. Parce que je peux t'assurer que ce mec-là, pour le maquiller de cette façon, c'est pas en 5-10 minutes qu'il te le font. C'est des heures et des heures. Je ne sais pas combien de temps a duré le tournage, mais ils ont dû rigoler. Parce qu'on voit que. En effet, Potter, tu avais raison, c'est le, cap, le commissaire être... James. Ah ouais, ça peut être que lui. Oh, putain, je ne l'aurais pas reconnu, mon nom. Ouais. Ah voilà. Ben, c'est une grande page d'histoire. Hein. C'est une grande page d'histoire, ça c'est clair. Enfin, la petite... Ce film aurait dû sortir avant Dunkerque. Oui. La préquelle. C'est une excellente préquelle. C'est pour ça que c'est par là que je voulais conclure en fait. La même année ici, cette année, on a regardé les deux films. Ils auraient pu Dunkerque. Ils auraient pu se mettre d'accord entre eux. Et bah celui-ci, ouais, évidemment, c'est deux styles différents. Ça c'est. Mais... Pas que l'une rejoint l'autre. Hein. On oui, voit, mais on ça aurait été mieux de voir. La préparation de l'opération Dynamo et compagnie. Ouais. Et on voit après. L'aboutissement, enfin les faits Moi j'ai infiniment préféré dans mon esprit à moi Dunkerque. Bah ouais, Dunkerque, par fini. L'image, bah, par oui. Le rien à dire. Sûr, les films sont pas comparables, hein. On parle plus de psychologie ici. Là c'est oui, c'est plus comme j'ai dit. Mais pour en revenir sur ce qu'il me disait, deux heures c'est trop long pour ça. C'est pas la première fois que je le dis sur certains films, mais dans ce cas-ci c'est très flagrant. Une heure et demie aurait été très bien. Sans rien enlever. C'est pas la première fois que je le dis, hein, je l'ai dit sur d'autres films. Mais deux heures pour ça. On aura la confirmation l'année prochaine, parce que moi j'étais persuadé que ce film-là remportait l'Oscar du meilleur film. Et il a été battu sur le truc de l'eau, non ? Par la forme de l'eau. La forme de l'eau. Que j'ai là aussi, que j'ai toujours pas vu et qu'on le verra. Et que j'attends. Mais on peut éventuellement le voir. Bien sûr, bien sûr. Je l'attends pour la rentrée. Hein. Qui a aussi reçu des prix d'ailleurs, ce film-là. Ah oui, c'est le meilleur film avec Guillermo del Toro. Ouais. Mais bon, voilà. Ben là, on est d'accord qu'on part sur un film complètement déjanté. On part sur un film complètement déjanté. Je sais pas, ouais, c'est fantastique. Je sais pas quoi te dire. Franchement, mais fantastique, très déjanté. Totalement. Comme dans le. Ouais, les créatures qui tombent. Ouais, mais qui. Comme tu dis, fantastique, mais ces derniers temps, chaque fois le fantastique part d'un Marvel ou d'un DC ou de ci ou de ça, là c'est 100% créé. Oui, c'est on part de base propre. Zéro. Oui, voilà, on part de base zéro. Oui, c'est ça. Ouais. C'est comme dans le labyrinthe de Pan, je sais pas. Enfin, voilà. C'est encore lui, hein. Ça ouais, ressemble pour des petits vieux comme nous déjà à un splash futuriste. Avec la petite sirène qui est trouvée, ah, tu l'as pas vu sur la Splash hein? Splash. Non, désolé. Le premier film de Tom Hanks. De Tom Hanks. Tu vois, je me tape tous les films. Il trouve une sirène, une vraie sirène, et elle est là oui, dans un espèce d'aquarium dans l'eau. Je n'ai jamais été à l'église d'un amour là. Et il y a un gars qui travaille là et qui tombe amoureux d'elle, ben, je sais pas, là, ça ressemble, on dirait que ça ressemble à ça. C'est vieux. Si je me rappelle bien du tout. Tu sais ce qu'ils disent les vieux? Eh ben, c'est vieux. Les plus âgés. Très trop, voilà. Bon, ben. On lui donner sa petite à l'autre, là. Non, mais. Avis mitigé, mais en gros, bon, ben. Oui, un bon film à regarder comme tu. Il m'a plu. Moi, personnellement, bon, j'ai une autre appréciation, sans doute. Et il m'a plu aussi, hein. Mais. C'est long. C'est long. C'est long. Moi, il m'a plu. Moi, il m'a plu, mais je m'attendais à. Autre chose. Il l'avait vendu différemment. Toi, tu sais, je me répète, hein, mais les bandes annonces que j'ai vues, les 3-4 images, ils n'ont pas vendu ce film comme il est. Non. Ils l'ont vendu comme si on allait parler la vie privée de, toi, pour te de donner, Churchill pendant X temps. Pour te donner une explication avec mes mots, il m'a plu le film dans le genre. Ce que j'ai vu,
j'ai apprécié, j'ai aimé. Mais j'aurais aimé en savoir plus sur le personnage, ouais, et élargir un peu la carrière de cet homme-là sur ses 5 ans. Ah, d'accord, d'accord. Mais bon, il y a un autre film qui parle vraiment de la vie du lion, comme on l'appelle, parce qu'il a un surnom, c'est un lion. Eh bien, il y a un autre film qui est nettement plus ancien d'ailleurs, et qui parle uniquement de la vie de Winston Churchill. Le voir à partir du moment où il prend le pouvoir jusqu'au moment de la libération. Oui, parce que attention, c'est un gars qui a été rejeté par son père. Il a eu une enfance extrêmement difficile. Hein. Faut pas croire, il n'a pas rigolé, hein, l'ami Winston. Hein. C'était pas du tout évident pour lui. Hein. Je vois parce que sur sa vie, là, ça devait être quand même assez important aussi, comment est-ce qu'après avoir réussi quand même un coup d'éclat, hein, le virer, le foutre dehors. Mais parce que les autres politiques ne l'aimaient pas. Je suppose qu'il avait tout le peuple derrière lui. Il a été rejeté par le peuple. Par le peuple. Ah bah oui, et à partir du moment où tu ne votes pas pour lui, automatiquement tu votes contre lui. Ouais, mais ils ont voté encore pour son parti, je crois. Et voilà, mais c'est son parti. Je ne sais pas si c'est son parti quand même qui a repris donc le... Je ne pourrais pas te dire. Ça aurait été aussi intéressant. De toute façon, les accords entre les politiciens, attention, parce que mes amis, c'est pas... Déjà là, je reviens à ce que j'ai dit au départ. Le Chamberlain, il sait qu'il va être viré. Et il dit, pour sauver la face, on va quand même prendre quelqu'un du parti. Je vois qu'un seul nom, Halifax, il dit non, moi, c'est pas mon heure. Et puis il dit, je vois qu'un seul nom. Il le prononce même pas et tout le monde dit, oh non, pas lui. Donc tout le monde pense au même et tout le monde dit, oh non, pas lui. Et pour finir, c'est lui. Et Halifax et Chamberlain n'arrêtent pas de le bousiller. Parce qu'en 10 jours, ils essayent quand même de le descendre. Bien entendu. Et maintenant, il y a le petit énigme du roi. Tu ne pensais pas que c'était le roi, toi? Non, ça va. Mais écoute, la reine d'Angleterre actuelle a 93 ans. Elle est montée sur le trône, si je ne m'abuse, en même temps que Baudouin, 58, 59. Ah, mais là, on parle de 40 au début. Oui, mais sa mère, avant ça, a régné combien de temps? Parce qu'elle a aussi régné pendant longtemps. Est-ce que, bon, ce gars ici... La reine mère... Attention, qui était très aimée, d'ailleurs. Oui. Plus que celle-ci, même. Qui est décédée presque à 100 ans, elle. C'est vrai qu'elle a abdiqué très, très vite après la mort de son mari. Est-ce que ce n'était pas lui son mari? Mais non, mais bon, si elle était reine, lui n'était pas roi. Hein. Henri VI, c'est ça? Non, lui ici c'était Georges VI. Et la reine mère était la femme de Henri III. Mais j'ai été sceptique au départ. Mais j'étais très sceptique de voir un roi parce que je me base sur l'âge de la reine. Je dis, elle est sur le trône. Un peu après Baudouin, un peu avant. Non, après je crois, parce que Baudouin était le plus longtemps sur le trône. Mais on va dire qu'elle est sur le trône depuis 60. Sa mère, qui avait un âge certain, aurait pu très bien être reine en 40. Et il faut croire qu'elle a régné après la guerre. Et en fait, le roi, quand on le voit, il ne le montre pas assez, mais c'est le roi qu'on montre dans le film où il apprend à parler. Là. J'ai dit le titre là. Oui, quand il bégaye. Ouais, c'est un superbe film aussi. Ouais. Moi aussi. Très psychologique. Ouais, moi, j'ai trouvé ça. Ouais, mais du coup, il tire moins longueur, celui-là. Ouais. Et aussi un fait réel. Donc, le film que tu parlais, Potter, c'était le discours d'un roi. Bon, ben voilà, on va conclure. Mais si je peux donner un petit conseil, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi et vous connaissez peut-être d'autres films dans le genre, des films autobiographiques. Pour moi, Gandhi, exceptionnel, Patton, avec un acteur, et alors que, honte à moi, mais je l'ai découvert il y a peut-être 2-3 ans ce film-là, je ne l'avais pas vu avant, figurez-vous, Chaplin. Fabuleux. Sur la vie de l'acteur, ça j'ai adoré. Et encore plus loin, c'était Anthony Hopkins qui jouait le rôle, donc de Hitchcock. J'avais vraiment adoré. Je pensais que ce film-là allait être dans la même lignée, mais ils ont préféré mettre le côté historique. 18 jours d'histoire. Et c'est peut-être ça que, entre guillemets, ma déception, je m'attendais à en savoir infiniment plus sur la vie du personnage, qui même à le voir qu'elle était tout petit. Je ne m'attendais pas, mais une période plus longue, au moins les 40 ans, assez... même avant la guerre. Mais bon,
Voilà, on en a fini. Juste un dernier truc, une petite question comme ça, maintenant ça va vous faire réfléchir. On vient de finir la deuxième saison. Quelle est la soirée de prédilection, celle que vous avez préférée cette année? Le film, la soirée que vous avez préférée, enfin, ou le... Ah non, il y en a quelques-unes, donc j'ai difficile, vraiment, comme ça, donc sur un coup, de décider celle qui m'a marqué le plus. Il y a eu L'Exorciste, il y a eu ça, il y a eu Dunkerque, il y a eu... qu'est-ce qu'on a regardé Je vais te dire les noms tout de suite. Ouais. Évidemment, à Noël, on a regardé le drôle de Noël de Scrooge. Moi, c'est J. Caroline. Ah, tu as aimé le téléfilm? Je l'avais un peu plus que vous. Ouais. Du coup, j'avais pas les radios. Donc, on avait commencé par là-haut, peut-être? Non, oui. Ouais, là-haut. Life. L'Exorciste, le drôle de Noël de Scrooge. Ouais. Dunkerque, ça. King Kong, Harry Potter et Cinéma Paradiso. Ah bah pour moi c'était King Kong. Moi le film c'est Life et la soirée Goulag. Ok. Ah oh, c'est vrai que. Oui, je reconnais. On précise, on n'est pas des spécialistes, mais non. Ce jour-là j'étais pas un abo. Ouais. Mais le film c'est Life. Mais tu l'as jamais. Life c'est le meilleur. Ah oui. T'as aimé le film? Ah oui, il y a très longtemps qu'on a plus fait un film de ce niveau-là. Mmh. Ouais, juste. Eh bien, je vais te rejoindre sur King Kong. Ouais. Le King Kong des 80... Le 77 ou 78, je sais pas. 78. Et moi, c'est Up. Le temps passe vite. Mais ça... Et toi, c'est... Là-haut. Ah, là-haut. Là. La soirée et tout... parce que là, la soirée, on était 4-3. Hein. Oui, mais il y avait la soirée et le film surtout, parce que j'ai... C'est-à-dire que j'ai grandi avec aussi. Donc, non, en plus, tu l'avais découvert en 3D. Le film. Et je l'ai découvert en 3D qui était beaucoup mieux que la version, on va dire, normale. Mmh. Beaucoup plus cool. Voilà, des bons films. On espère en remettre une couche l'année prochaine. C'est tout pour ce Ciné Club du Vendredi, saison 2. C'est tout pour cette année 2017-2018. Une année 2017-2018 qui fut pour nous une année très importante, peut-être même la plus importante du groupe depuis la fameuse année 2010, qui était quand même l'année de notre début. Il y a de cela un an, quasiment jour pour jour, au mois de juin aussi, dans le dernier épisode du Ciné Club de la saison 1, on parlait de l'envie, on évoquait l'envie d'agrandir, d'élargir le groupe du Ciné Club. Un an plus tard, c'est chose faite, puisque ce groupe est composé maintenant de 4 parties. Le Ciné Club de toujours, notre soirée mensuelle, notre groupe Facebook, le Ciné Club plein air avec les projections cinéma pour public en collaboration avec la direction et le comité des fêtes de l'école, et notre chaîne YouTube. 4 parties qui n'en forment en réalité qu'une, le Ciné Club du vendredi. Si je devrais donner une appréciation, je dirais que c'est presque très bien, en tout cas c'est plus que satisfaisant. La première partie, le Ciné Club du vendredi de tous les jours, se porte à merveille. C'est toujours pour moi un plaisir de recevoir mes amis un vendredi par mois. Et je pense que partager sa passion entre amis autour d'un verre sont des soirées privilèges. En décembre, cela fera déjà 8 ans que cela dure. Le deuxième, notre groupe Facebook, il vient juste de faire un an, il y a quelques jours, le 5 juin exactement. C'est un groupe que l'on voulait ouvrir, mais c'était surtout un groupe qu'on voulait voir vivre. Vivre à travers nos publications, à travers vos réactions. Et je dois dire que ça se passe très bien. Quand je regarde ce groupe d'un œil extérieur, je me dis que le groupe est vachement bien foutu. Il y a bien sûr toute l'actualité de notre groupe, mais pas que. Il y a aussi de l'actualité cinéma. Vous êtes tenus au courant de toutes les sorties cinéma sémanal à Bruxelles, donc je pense qu'il est vraiment bien foutu. Comme on dit, on s'approche tout doucement des 350 abonnés. La majorité d'entre eux sont là depuis plus de 6 mois, donc c'est, je pense, un très bon signe. Le troisième, le Ciné Club plein air grand public, projection publique, donc en collaboration avec la direction d'une école et son comité de fête. Là, il n'y a pas de superlatif, il n'y a pas d'adjectif, c'est pas très bon, c'est pas excellent, c'est bien plus que tout cela. On s'est vraiment battu pour avoir droit à une soirée. À l'arrivée, on en a eu
4, donc 3 de plus. Plus 4 déjà pour la saison prochaine, entre 4 et 5 soirées cinéma en plus pour la saison prochaine. Je pense qu'une petite anecdote vaut mieux que 1000 mots. Je rencontrais l'autre jour une maman qui me disait qu'elle avait un petit problème avec le ciné-club de l'école. Et en fait, son problème était que ça fait la quatrième fois pendant les 4 séances, donc on n'a jamais réussi à avoir un ticket. Elle me dit, c'est incroyable, au bout de 2-3 jours, il n'y a plus de ticket. Donc voilà, ceci veut dire cela. Et puis nous avons notre quatrième partie, notre chaîne YouTube, qui pour moi est quand même un peu le maillon faible de notre groupe. C'est un peu frustrant, j'ai même envie de dire un peu râlant, parce que c'est une partie du groupe où je peux vous assurer qu'on travaille d'arrache-pied, et pas qu'au niveau boulot, au niveau financier aussi. On a investi dans une nouvelle caméra, on a investi dans un nouveau micro, on a investi dans un nouveau fond vert, on a investi dans un nouveau logiciel. Et bon, ce n'est pas que ça ne marche pas, parce que franchement, il faudrait être de mauvaise foi ou aveugle pour dire qu'on ne voit pas la différence entre les vidéos. Nos visions, les vues dans notre chaîne ont augmenté elles aussi. Il y a facilement 40% de vues en plus que l'année dernière, mais c'est au niveau des abonnés. On stagne sur la trentaine, on ne parvient pas à dépasser les 35, 36 abonnés. Mais bon, on ne baisse pas les bras, on lance d'ailleurs à partir de maintenant un défi, on en parlera à la rentrée, mais bon, on veut absolument arriver à 50 abonnés pour l'année prochaine à la même date, donc pour l'année prochaine à la fin de la troisième saison du Ciné-Club, on voudrait arriver à 50 abonnés. C'est pas grand chose, mais comme je le dis souvent, on n'est sûrement pas des professionnels et peut-être même pas encore des amateurs, on serait déjà très contents avec cela. Voilà, pour l'année prochaine, donc, il nous reste, j'ai envie de dire, le plus dur à faire, donc consolider notre groupe, l'embellir, le rendre plus beau aussi à travers un peu plus de vidéos, à travers de nouvelles idées. La tâche s'annonce un peu compliquée, on aura besoin de beaucoup de temps de libre chez nous, avec nos familles, on aura beaucoup de travail aussi, mais voici déjà que les vacances nous attendent les bras ouverts pour nous donner du repos, faire passer des bons moments, bien se reposer, comme je dis, profiter et revenir en super forme pour le mois de septembre pour accomplir tous ces défis. Rendez-vous au mois de septembre dans 2 mois pour la saison 3 du Ciné-Club sur YouTube. Profitez bien de vos vacances, faites-vous plaisir. À bientôt, salut, bonnes vacances.